Ça y est, l'allergique, elle y revient vue. Alors, pour remettre les goûts, c'est casse-pied. Moi, je suis allergique à tout. À partir de janvier, j'ai les yeux qui commencent à me gratter. Alors, je mets ça. Chromotique 2. 2%. Ouais, 2%. Je sais pas à quoi ça sert, mais quand je mets, ça fait un effet de dingue sur mes yeux, ça les soulage. Parce que sinon, ça gratte. Mais genre, ça gratte, comment que tes yeux peuvent t'expliquer? Et ça, c'est l'allergie, hein. Je suis allergique au cyprès, au bouleau, au graminé et au con. Alors ça, je suis obligée de me mettre des gouttes toute l'année, en fait. Parce que, bah, des cons, il y en a tout le temps. Ah, Pierre, moi, je t'en connais une pelletée. Mais je crois que je suis la personne qui connaît le plus de cons au mètre carré. Je peux pas t'expliquer. À chaque fois, ça arrive qu'à moi. Incroyable. Oh, quel soulagement. Je sais pas, toi, si tu connais des cons. Mais alors, moi, dès que je sors, j'en vois un. Il y a mon voisin. Il y a... Moi, je peux pas tout te dire, sinon, j'ai avoir des problèmes. Parce que vu que je fais les vidéos maintenant, que les gens, ils savent tout sur moi. Oh, ça, c'est chiant aussi. Ça. Dès que je dis un truc, les gens qui me disent « Oh, bah, t'as fait ça !» Si je dis sur les vidéos, bah, maintenant que les gens, ils savent tout. Ça, par contre, c'est super relou. Oh, merde. Il faut que je vise l'œil. Il faut que je fasse attention à qu'est-ce que je dis, mine de rien. Des fois, il y a ma vieille tante, elle m'appelle. Elle me dit « Mais Michael, pourquoi t'as fait ci ?» Je lui dis « Mais comment tu sais ça ?» Bah, j'ai regardé tes vidéos, espèce de grenouille. Ah bah oui, évidemment. Ça y est. Bon bah voilà. Je suis prêt pour affronter le monde extérieur. Allez. Ce bon week-end, hein, parce qu'il est dimanche. Et le dimanche, eh ben, c'est le jour du Seigneur. C'est mamie qui disait ça. Tu parles. Elle croyait même pas en Jésus. Je comprends complètement pourquoi de dire ça. Bah oui d'ailleurs. Pourquoi elle me disait ça? En même temps, elle buvait tellement de suze, elle disait que des bêtises.